Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de ma collection de boules à neige. Donc bah voilà. Donc on va reprendre avec Titi en Égypte. Voici. Qu'on a eu à la ressourcerie avec ma soeur. Voilà. Après on a une de Lourdes qu'on a également eu à la ressourcerie. Donc à la ressourcerie à côté de chez nous. Après on a une autre de Lisieux que j'ai eu encore à la ressourcerie hein, comme la plupart des boules à neige. Voici. Après on en a une de Paris qui est violette qui est à ma soeur. C'est moi qui l'ai choisie pour elle quand je suis allée à la Tour Eiffel. Donc en monument il y a la Tour Eiffel, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et au fond tout au fond on voit le Sacré-Cœur. Et c'est dur à voir. Après, on a l'une de mes préférées. Donc, elle est plutôt petite, mais c'est une boule de neige en forme d'œuf avec un coquillage. Donc, on l'a eu en Normandie. C'est ma mamie qui l'a achetée à ma sœur. Et celle-ci, elle est très spéciale parce que derrière le corail ici, il y a une petite lampe et du coup, quand on allume, eh ben, elle s'illumine, sauf qu'elle n'a plus de pile. Du coup, bah, c'est pas de chance. Voilà. Après, on a une boule à neige chien. On a eu à la ressourcerie. Ouais, du soleil. Voilà. Elle est magnifique. Enfin, je dirais pas magnifique, mais elle est très jolie. Voilà, avec des petits os. Voilà, tranquille. Elle est plutôt mignonne. Après, on a une boule à neige de Paris, encore. Donc, je sais plus combien c'est la combienième de Paris. Attends, il y en a une, deux, trois, quatre. C'est la quatrième boule à neige de Paris. On a. Et du coup, bah, Momo, si tu vois cette vidéo, et bah, je pense que tu te souviens parfaitement où c'est que je l'ai eu, cette boule à neige. Ça te rappellera notre excursion à Notre-Dame de Paris. Voilà. Du coup, là, on a une boule à neige ange que m'a donnée ma grand-mère. Elle est très jolie. Enfin, j'aime beaucoup. Elle a des petites paillettes. La petite... Voilà. Le socle est plutôt simple, mais il est sympa. Et ouais, donc vous verrez que l'eau elle a un peu passé, mais on voit bien qu'il y a un ange à l'intérieur. Voilà. Ici, on a une autre boule à neige qui est très très spéciale, car c'est la seule de nos boules à neige qui a un décor, un grand décor à côté. Donc là, on voit un petit ours avec des raquettes et une petite marmotte dans la boule à neige. Je me sers de ma main droite. Donc elle a des petites paillettes, elle est mignonne. Là, il y en a une où je suis méga déçue parce que bah, c'était une boule à neige, elle était toute petite. C'est la plus petite de ma collection, enfin de notre collection à ma soeur et moi. Et quand on arrive à la maison, et bah, quand je l'ai pris dans ma main, et bah, elle s'est cassée. Parce que tout simplement, la dame à la caisse, elle l'a laissée tomber dans un sac. Et du coup, bah, elle s'est cassée en rentrant à la maison. Il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a encore des petits morceaux de verre. Et je suis dégoûtée parce qu'elle était trop mignonne avec le petit bonhomme de neige comme ça. Trop mignonne. Du coup, bah voici toutes nos boules à neige. Ah oui, j'avais oublié de présenter celle-ci. C'est une boule à neige de Noël. Donc une boule à neige qui fait boule de Noël. Qui a marqué Joyeux Noël. Ma soeur en avait la même mais avec son prénom. Mais elle l'a cassée. Le jour où on faisait le sapin de Noël, elle l'a cassée. La voici. Et du coup, bah voilà. Je la garde dans ma collection. Dans notre collection. La voici. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur mes souvenirs de Paris. Et voilà. Donc sur ce, bah moi je vous dis à plus tout le monde. Et bah voilà. Bye.